Oh la vache, là-bas. Cours, Kostou. Enfin, je sais pas courir, je suis une nurse, mais est-ce que tu m'as pris pour un jambon? Apparemment oui, hein. Apparemment, je suis un jambon. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dead by Daylight pour retester la nurse parce que dernièrement elle a subi un gros nerf. Pour l'instant elle n'est disponible que sur le PTB. Alors tout ce que je vais dire est susceptible de changer dans le prochain patch. Bref les amis, c'est parti pour la nurse. Pour le coup, commençons par ce qui ne change pas chez la nurse, il s'agit de ses compétences. Pour le coup, c'est toujours les mêmes, ça ne bouge pas. Par contre, son pouvoir, lui, a été modifié légèrement, mais ça change carrément tout. Premièrement, son pouvoir doit se recharger pendant 3 secondes pour chaque téléportation en chaîne qu'elle veut faire. Vous verrez ça mieux en détail dans la game, je vous le préciserai. Et deuxièmement, quand on baisse une palette pendant le blink d'une nurse, désormais la nurse s'arrête devant la palette. Donc, c'est beaucoup plus simple de kiter une nurse désormais à mon goût. Ensuite, et on va y aller rapidement, tous ces add-ons ont été modifiés, enfin presque tous. En tout cas, il y a désormais deux add-ons roses. Le premier supprime une charge de téléportation et augmente la vitesse de déplacement de la nurse. Du coup, ça fait qu'elle va presque à la même vitesse que le trappeur ou tous les autres tueurs qui sont à vitesse normale 4,6 mètres par seconde. Mais pas encore, sauf qu'elle perd une téléportation, donc je vous conseille vraiment de mettre une autre téléportation pour contrer cet effet. Et le deuxième item rose, ça ajoute une téléportation, par contre l'infirmière ne peut plus se téléporter au travers des objets solides. Là autant vous dire que vous n'avez pas intérêt à vous retrouver sur la map du docteur ou sur n'importe quelle map où il y a des murs parce que vous allez avoir du mal, je vous le dis. Et ensuite la nurse a quelques nouveaux petits add-ons comme par exemple le dernier souffle du méchant. Lorsque je frappe un survivant après une téléportation, pendant 16 secondes je suis indétectable. Je sais pas si vous savez, c'est le nouvel effet qui est rentré avec le démon Gorgon et qui va donc supprimer mon rayon de terreur, supprimer la tache rouge au sol et tout simplement faire paniquer les survivants au beau milieu d'une course poursuite. Bref, Megusta, on va tester ça dans cette partie avec également une réduction de l'état de fatigue. Vous allez voir, c'est génial les amis, il n'y a plus une fatigue de 300 ans. Bref, j'arrête de parler, promis, juré, c'est parti. Allons-y les amis, chapelle du père Campbell. Bon alors, si jamais, je vous le rappelle, ça ne fait que la deuxième ou troisième fois que je joue la nurse, peut-être un peu plus en fait, 3-4ème fois que je joue la nurse avec sa refonte. Et vous allez voir quand même, mine de rien, ça change pas mal de choses. Déjà, vous pouvez le voir en bas à gauche, juste au-dessus de la main de son pouvoir, il y a un petit 2. J'ai donc deux charges de téléportation. Si je fais ça, on va charger la charge quand même, hein. Et on va aller par là-bas. Hop, vous voyez que là, j'en ai plus qu'une. Si je fais ça, bah non, bah j'ai pas eu le temps. Du coup, là, hop, ça y est, j'ai à nouveau les deux. Mais en gros, vous avez vu, il y a un petit logo de recharge, en fait, du pouvoir. Hop, là, par exemple, j'en ai plus que 0. Le temps commence maintenant. Et donc là, je ne peux pas me téléporter, par exemple. En tout cas, pas deux fois. Maintenant, oui. Du coup, ça vous demande de gérer encore mieux vos TP parce qu'il faut vraiment pas les gaspiller, maintenant. Bonjour. Bonjour, papy. Bonjour, monsieur. Je l'ai eu. Ah, je suis indétectable, du coup. J'avais oublié cette histoire, mais sauf que je sais pas où il est. Crotte de bique. Ça ne va pas à mon avantage, là. Je suis nul. Il est parti par là-bas, je l'ai vu, c'est bon. Il est là. Ah, mais qu'est-ce que... Mais où je suis, où, là? Mais où suis-je? Attendez, il est parti par où? Ah, je me prends des murs. Attendez. Faut que j'arrête de paniquer, là. Papy. Attends, il est quand même pas allé là-dedans. Non. Papy. Bon, ils ont pété mon ruine. Et moi, j'ai perdu papy. Bon, allez, on va aller... Oh, papy, bonjour. Ah bah si, je m'attendais à te voir ici. C'est quoi cette TP parfaite? Bonjour. Oh bah, monsieur, enfin. Est-ce qu'il y a la cave ici? Non, il n'y a pas la cave, c'est ça, hein? Bah oui, il n'y a pas la cave. Génial. Vous voyez, ravi. Bah voilà, bah oui, hein. Là, on n'attend plus, hein. Dès qu'il n'y a plus ruine, c'est bon, c'est la fête, hein. Bon, allez. On accroche monsieur ici. Ah oui, en fait, il y a les charmes, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais... si jamais, j'en avais déjà parlé dans une vidéo.
Mais ça suffit un peu les conneries. Quoi de la fuck? Enchanté, y'a quelqu'un ici? Non. Personne ici non plus, mais ils sont où? Où sont ces dames survivants? Mais quoi? Mais vous faites pas les gènes en fait, ça se passe comment là? Oh la vache, là-bas. Cours, Kostou. Enfin, je sais pas courir, je suis une nurse, mais Est-ce que tu m'as pris pour un jambon? Bah, apparemment oui, hein. Apparemment, je suis un jambon. Ah, je l'ai vu. Bonjour madame, enchanté de te rencontrer. Oh la vache, c'est compliqué là. Wow, la TP parfaite. Qu'est-ce que tu vas faire, Clo-Clo? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, au moins pour une fois, sur le PTB, il n'y a pas 4 personnes avec des lampes qui sont prêtes à te flash et tout, et trop chiante. J'ai l'impression que les gens jouent vraiment le jeu là pour une fois. En tout cas pour cette game, hein. Non! Idiota! Alors par contre, toi là. Est-ce que tu m'as pris pour un jambon, monsieur? Mais tu que quoi? Quoi de numéro 2? Bon, ça suffit un peu les bêtises là. Hop là, viens ici toi. Mais où est-ce qu'il est? Quoi? Mais il va vite. Il a ténacité ou quoi? Bon, allez. Je vais l'accrocher là-bas. C'est la deuxième fois que j'accroche papy, sauf si c'est un autre papy. Ce qui n'est pas impossible. YOLO. Vite. Elle s'est fait le soin. Du coup on s'en fout un peu qu'elle soit fait le soin. Moi ce que je veux surtout pas, c'est qu'ils finissent le gène. Parce que là, il reste déjà plus que 2 gènes les gars. Ça sent le roussi là. Te, Jeff. Tu t'es cru où là? Mais non, mais pourquoi elle a bug? Elle a relevé sa main comme si je voulais me re-TP, j'avais même plus la main sur la souris. Oh, je suis passé à travers la palette. Alors peut-être que ce que j'ai dit au début était faux. Je ne sais pas. Allez hop, toi. Quoi? Mais attendez, mais... Tota vilaine, elle avait des corbeaux elle en plus, non? J'entendais des corbeaux de partout. Ah, c'était un David. Il doit être là depuis littéralement le début du jeu. Viens là toi. Qu'est-ce que tu fous dans ton casier vilain? Et toi papy là? Je vais pas te laisser le sauver non plus. Non mais tu t'es cru où? Viens là papy. Désolé papy hein, mais là il y a un moment où faut arrêter les bêtises hein. Vous me passez tous devant en mode c'est free. Ce n'est point free. Par contre il reste plus que la Claudette là. Bon elle va les sauver mais il reste plus que la Claudette dans l'absolu. Et j'ai un memento jaune. Oh punaise, je viens de me rappeler. Memento jaune. Attaque. Salut toi. Yata. Yata! Numéro 2! Hop! C'est ici, Clo-Clo Forever! De toute façon, là, ils arriveront jamais à faire les jeunes, là, c'est bon. Après, le risque est toujours d'avoir la trappe. Il est parti par l'intérieur. Non, il est là. J'ai vu les traces de sang, monsieur! J'ai vu les traces de sang, je le sais! I know it! Eh ben, je vais vous mettre tout le temps au même endroit, en fait. Est-ce que d'ailleurs le... Ah bah il est toujours là, monsieur David. Allez hop. Ça c'est dégage. Ça s'accroche. Voilà. Attendez, on va faire le spectacle les gars. Le spectacle. Il gigote pas, le mec est vraiment 100% AFK quoi.
David. Enfin. Au revoir, Claudette. Au revoir. Oui. Je suis un psychopathe des fois. Bon, et toi, hop, ça c'est fait. Et ensuite, Monsieur David. Allez, plus vite, Jeff. Oh là là, on n'a pas tout le temps devant nous, hein. Hop là. Bonjour, David. Ah bah là, au moins, on a une belle vue parce que c'est dans la pente. C'est parfait. Eh bah oui. Il a les corbeaux pendant le memento, les gars. Bon, et bah les amis, personne ne s'est échappé. Alors en vrai, je trouve qu'il est plus difficile de jouer la Norse, mais je pense que c'est encore largement faisable. Bon là après, je vous avoue, je joue pas tout le temps comme ça, hein. Là j'ai tapé des TP de l'espace, je sais pas comment j'ai réussi à faire tout ça. Bref, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.